vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le top 10 de l'année 2016. Mes 10 découvertes, mes 10 plus belles découvertes que j'ai faites courant d'année dernière. Et je vais commencer tout de suite par les soins. Un soin dont je vous ai parlé et reparlé, c'est l'Avant Night Repair de chez Estée Lauder. Certes, il n'est pas donné, mais pour moi, ça a été une grosse découverte. J'ai pu le découvrir via la plateforme Octoly et j'ai été très contente de l'avoir découvert. Certes, il est hors de prix, certes, sa composition n'est pas clean et c'est l'un des seuls produits dont je vous présentais dont la composition n'est pas clean, mais franchement, j'ai trouvé l'efficacité vraiment super sur ma peau. J'ai la peau vraiment nettement plus unifiée, j'ai plus de taches de dépigmentation ce que j'avais. Maintenant, c'est fini, j'en ai plus grâce à ce produit et je trouve ça super. Donc vraiment, pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment l'une de mes plus belles découvertes de 2016, mais c'est pas la plus belle, mais c'est vraiment un produit qui, pour moi, pour une fois, un produit de parapharmacie qui est efficace et qui ne ment pas. Et vraiment, sur l'efficacité est prouvée. Et certes, vous mettez le prix, mais vous en avez pour votre argent au bout. Et c'est pour ça que je préfère vous préciser, ce produit-là, l'Avant Night Repair de chez Estée Lauder, vaut vraiment le coup. Et pour moi, c'est une de mes découvertes de chez 2016. Je continue dans les soins et là je vais vous parler de ma crème de jour de chez Melvita, et là qui est bio évidemment, Melvita on connaît maintenant. Celle-ci c'est celle à la nectar de rose, donc c'est le soin de jour hydratant qui a un petit flacon pompe en tube là comme ça. Le packaging est génial avec son petit bouchon rose et surtout l'odeur à la rose est juste mais exquise. Je trouve ce soin juste parfait pour ma peau mixte. Il n'hydrate pas trop mais il hydrate juste ce qu'il faut. Je sais pas comment vous dire, mais c'est juste parfait pour moi. Vraiment l'un de mes coups de cœur. Je vous conseille cette crème si vous ne l'avez pas encore testée. Essayez-la. Et dans les soins toujours, mais là c'est plus un accessoire, je pense que vous vous doutez que ce produit serait dans cette vidéo, mais je pense que je vous en ai parlé et reparlé, ce sont les lingettes... Ce sont les lingettes démaquillantes de chez l'Amazuna. En fait, le principe de ces lingettes, je vais vous le répéter au cas où si vous ne l'avez pas vu encore dans mes vidéos, c'est en fait des lingettes qui vous démaquillent sans démaquillant. Donc vous prenez une lingette, vous la passez sous l'eau, elle est en espèce de petite feutrine un peu... c'est bizarre, c'est assez particulier comme effet peau de pêche, voilà. Et en fait, vous le passez sur votre visage, mascara, yeux, tout compris, smoky, rouge à lèvres, fond de teint, tac tac. Et en fait, tout est retiré avec ce produit, sauf le waterproof où il faut que vous mettiez une petite pointe de lait démaquillant ou quelque chose pour pouvoir décoller vraiment votre mascara waterproof. Mais ça part hyper bien et ça, moi, je vous la conseille. J'espère que vous les avez testées, ces lingettes. Elles valent vraiment le coup. Pour moi, c'est l'une de mes plus belles découvertes en soins 2016. Franchement, moi, je mets une palme pour ce produit. J'espère que vous les avez toutes essayées et que vous en avez toutes à la maison. Après, vous les passez tout simplement en machine ou vous les lavez à la main comme vous voulez. Et pour moi, c'est le must. Must have en lingette démaquillante. On va passer maintenant au maquillage et je vais vous parler de ce produit teint là. C'est la BB crème. Oups là, dans le bon sens c'est mieux. C'est la BB crème de chez Clarins. C'est la Skin Detox Fluide que moi j'ai en teinte 3 Dark. Et elle est géniale. Elle est non comédogène, 100% minérale, sans huile. Enfin bon, bref, voilà. Elle a un petit flacon pompe, je l'ai pratiquement terminé et je suis hyper déçue de l'avoir terminé. Et je pense que c'est l'un des produits que, voilà, dans ma sélection, voilà, c'est les produits que j'ai envie de racheter et que je vais racheter cette bébé crème. Même si la composition n'est pas bio et tout ça, mais je sais que Clarins fait des efforts là-dessus et pour moi, ça vaut vraiment le coup. Elle n'est pas donnée, mais elle est hyper efficace, elle est géniale, elle est hyper fluide, unifie le teint, a un effet hyper naturel sur la peau, ça a vraiment, vous avez vraiment l'impression que vous n'avez rien sur la peau et même les gens ont l'impression que votre peau est naturellement comme ça et ça c'est génial. À chaque fois que je mets ce produit là, on a l'impression que je me suis pas maquillée, mais en fait c'est ça qui est trop bien. Et c'est juste, vous avez le teint parfait mais naturellement, ça a pas d'effet kéki, ça brille pas, moi je ne la poudre pas et j'ai avec ma peau mixte, c'est génial. Franchement, si vous n'avez pas testé cette bébé crème, je sais pas ce que vous attendez. Pourtant moi je suis pas très fan de bébé crème, je suis plus CC crème à la base, mais alors celle là c'est l'un de mes gros coups de cœur maquillage de l'année. Voilà, j'adhère, je kiffe. On va parler maintenant d'un mascara parce que j'ai testé beaucoup de mascaras cette année, le Better Than Sex, les mascaras de chez L'Oréal, je vous en ai fait gagner d'ailleurs. Mais il y a quand même un qui remporte la palme, c'est encore un Clarins d'ailleurs, comme quoi Clarins fait du bon maquillage. J'ai découvert d'ailleurs cette année le maquillage Clarins et pour moi ça a été un gros coup de cœur. Et du coup c'est le mascara Supra Volume, c'est un mascara en fait que j'adore pour l'effet
à l'instant T sur mes cils, c'est-à-dire quand vous l'appliquez, vous avez vraiment du volume, les cils qui s'allongent et tout ça, mais aussi sur le temps, parce que je trouve que c'est vraiment un soin. J'ai trouvé que mes cils étaient vraiment plus beaux en utilisant ce mascara à long terme, et c'est pour ça que c'est vraiment génial. Moi, c'est un gros coup de cœur, ce mascara. C'est un mascara que vous pouvez vous permettre de remettre le soir. Voilà, si vous l'appliquez le matin, le soir, vous pouvez en remettre une couche, et en fait, ça craquelle pas, c'est encore fluide, c'est encore, voilà, c'est encore naturel, c'est vraiment facile à travailler, il sèche vite, mais pas trop, enfin, juste ce qu'il faut. Pour moi, ce mascara, le Supra Volume, un gros coup de cœur, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. On va passer maintenant pour les lèvres, et pour les lèvres, alors là, je pense que je vous en ai parlé, j'en ai également parlé dans mes chroniques TV Tour, je sais pas si vous regardez, il y a tous les liens sur mon blog, balilia.fr, et ce rouge à lèvres là, pour moi, c'est l'innovation de 2016, voilà. C'est mon coup de cœur de 2016, c'est le rouge expert Click Stick de chez Bal Thierry que j'ai en teinte 16, c'est rouge initiation. Le principe, c'est que vous avez juste à cliquer au bout, et en fait, vous allez avoir le produit qui sort et vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Et moi, ce que j'adore, c'est l'applicateur en forme de goutte d'eau. Et ça, je trouve ça juste super. C'est vraiment un gros coup de cœur. L'application est hyper pratique. Vous êtes sûr de ne pas déborder. C'est le genre de... Voilà, c'est celui que j'ai toujours dans mon sac à main parce que je sais que si j'ai besoin de faire une retouche, enfin d'appliquer un rouge à lèvres un peu aux catastrophes, hein, un rendez-vous, je ne sais quelle raison, il faut que j'ai l'air un peu maquillée et jolie, voilà, en express. Tu mets ça dans le rétro de la bagnole. T'es sûr de pas te planter, t'es sûr que ça déborde pas, c'est complètement dégueulasse. Et voilà, ça fait son effet et c'est un effet mat. Voilà, et ça, moi, pour moi, c'est rouge à lèvres mat obligatoire. Moi, je suis que rouge à lèvres mat pratiquement. Et j'adore, voilà, j'adore. Le Bal Thierry, je connaissais pas cette marque. Et bah, gros coup de cœur et gros bon point pour l'innovation de ce produit. Ensuite, je vais vous parler d'un crayon à sourcils, ou plus précisément de mes sourcils, car cette année, en 2016, j'ai fait une restructuration de sourcils à l'atelier du sourcil qui a ouvert dans ma ville à Tours, et du coup, j'ai eu l'honneur de rencontrer Sarah, que j'adore d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et du coup, j'ai découvert par la même occasion leur crayon, le Sublima Bro, que j'ai en teinte 0, un brun fumé, que j'ai eu l'occasion également de vous faire gagner dans mon concours de l'Avent, donc voilà, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très présente et je fais des concours régulièrement. Et j'ai testé ce crayon-là, c'est une tuerie. Je crois qu'ils ont changé l'intégralité de leur gamme juste maintenant, là. Donc du coup, c'est plus, il ressemble plus à ça, mais il a le même nom, je crois, mais en gros, c'est le même principe. Moi, celui que j'ai, c'est l'ancienne version, donc il y a un petit goupillon pour brosser et de l'autre côté le crayon. Et en fait, vous avez juste un petit peu à assurer et hop, ça tient toute la journée, c'est génial, je l'adore, j'adhère, je surkiffe. Voilà, pour moi, j'étais vraiment pas fan de maquiller mes sourcils, j'avais encore du mal. Moi, je suis une chronique, hein, je veux dire, j'adore que mes sourcils soient au taquet, toujours parfaitement épilés, nanana. Donc, super, la restructuration du sourcil, franchement, j'ai adoré, elle m'a fait des sourcils de... Voilà. Tout ce que je voulais, mais par contre c'est vrai que les maquillages c'était, j'avais beaucoup de mal, et je trouve qu'avec ce crayon là ça va hyper vite, c'est hyper simple d'utilisation, le résultat hyper naturel, et franchement pour moi gros coup de cœur, donc à la fois pour le crayon et pour l'atelier du sourcil, la restructuration, voilà, un gros coup de cœur pour tout ça, l'atelier du sourcil. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus random, plus diverses et variées. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous bassiner peut-être, mais je vais vous parler de Natural Mojo. On en entend énormément parler, mais moi j'ai envie de mettre ces produits-là dans ma sélection parce que moi, personnellement, j'ai aimé. Je suis pas payée pour parler de ces produits-là, donc je m'en cogne. Hein. Voilà, je les ai reçus par Octoly, donc j'ai un code promo si vous voulez, c'est BALILA15. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis repris le Vital, je sais pas quoi, là, le truc pour le matin avec les vitamines C, je vous en reparlerai de toute façon parce que ma morning routine arrive et je vais vous expliquer tout ça, ce que je fais le matin, et je vous parlerai de ce produit là par la même occasion. Mais en attendant, moi j'ai le Berry Boost et le Pure Detox, et mon gros coup de cœur, c'est surtout le Pure Detox. Le Berry Boost, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il cale bien le matin, je le prends le matin dans du lait et je trouve que c'est là où ça passe le mieux. C'est ce qui vous permet d'avoir un maximum d'énergie, d'apport le matin en protéines, mais de façon naturelle et vegan. Et surtout moi qui ai beaucoup de mal à manger le matin, je trouve que ça c'est idéal, c'est un goût de cassis, ça, voilà, du lait au cassis, ça me dérange pas trop moi comme ça, vu comme ça c'est expliqué bizarrement, mais c'est super bon. Et du coup c'est vrai que ça me cale bien jusqu'à midi, donc moi qui n'arrive pas à manger le matin, c'était parfait.
Et en fait, le soir, moi j'utilise celui-ci, le Pure Detox, mais que j'économise un maximum parce que j'arrive bientôt à la fin et j'ai du mal. C'est une poudre verte qui a une couleur un peu bizarre. Je vous en parle dans ma Healthy Routine. Je vous mets le lien, vous irez voir, ça sera plus simple. Et du coup, je la mets dans de l'eau et ça, c'est ce qui vous permet de vous détoxifier quand vous faites un gros repas. Genre en ce moment, c'est la mode des. C'est le moment raclette, tartiflette, galette des rois et compagnie. Tu prends ça le soir après tout ça et franchement, le lendemain matin, t'as un ventre extra plat. Et du coup tu sens que tu as bien digéré et que tu te sens légère et ça c'est génial. Pour moi le Pure Detox c'est un gros coup de cœur et c'est pour ça que c'est dans cette vidéo. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert grâce à vous, c'est la coupe menstruelle. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien aussi bien évidemment. C'est un produit que j'ai découvert grâce à vous dans ma toujours ma routine un peu dans ma façon de vivre un peu zéro déchet. Je suis pas zéro déchet chez moi, mais voilà, on fait plein de choses au quotidien pour essayer de faire attention de réduire nos déchets. On est loin de Beat Johnson et je ne serai jamais à sa cheville, mais c'est pas grave, je le vis bien parce que j'ai envie de continuer à faire d'autres trucs quand même à côté. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des petites choses comme les tampons et les serviettes chez moi, il y en a plus. Maintenant, c'est la coupe menstruelle et c'est grâce à vous. Donc je vous dis merci les filles de m'avoir fait découvrir la coupe menstruelle. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la coupe menstruelle où je vous détaille tout ce que je pense de cette petite chose, de ce petit objet. Voilà, moi je suis fan et c'est pour ça que je le mets dans mes découvertes 2016. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'autre chose, mais là j'ai pas d'objet comme ça à vous montrer, donc je vais parler avec mes mains comme d'habitude. C'est du Wonder Body Guide de Cellule Blue. Donc c'est quelque chose aussi où on nous a pas mal rabattu les oreilles sur les réseaux sociaux. Moi j'ai eu l'occasion de l'essayer. Enfin, j'ai pris le taureau par les cornes et voilà, après mon accouchement, j'avais pris du poids forcément, hein, voilà, et j'ai décidé cet été de m'y mettre vraiment au 1 an de mon fils et du coup, j'ai quand même perdu plus de 17 cm sur l'ensemble de mon corps. J'ai perdu qu'un seul kilo, c'est ça qui est impressionnant, mais sur les photos avant, après, je vous les mets, et bah vous voyez bien qu'il quand même, il y a une grosse différence sur mon corps, il est vachement plus ferme, j'ai un cul quand même vachement mieux qu'avant et ça j'en suis fière. Et du coup, c'est vrai que j'ai la taille qui s'est un peu redessinée et j'en suis très contente. C'est un programme sur 12 semaines qui coûte pas la peau du cul et qui est vraiment efficace. Vous avez besoin de rien à part du programme, de bouteilles d'eau et d'une chaise à la rigueur, et voilà, et c'est tout ce qu'il vous faut et vous avez tout ça à la maison. Et du coup je le trouve super bien. Ce qui est le plus dur, c'est de tenir les 12 semaines, et moi j'ai eu du mal, mais je suis hyper fière d'avoir fait ce programme jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle plus précisément, que je vous raconte un peu ce programme, que mon évolution au niveau de mon corps, et je vous ferai une vidéo spécifiquement si vous voulez à ce sujet, avec grand plaisir. Mais pour moi, je mets le Wonder Body Guide dans mes découvertes de 2016 parce que ça m'a permis vraiment, en tant que jeune maman, d'être vraiment mieux dans mon corps. Et je pense que ça concerne pas que les jeunes mamans, ça concerne aussi toutes les femmes et même tous les hommes, voilà, de faire ce guide qui est adapté à toutes les débutantes, même aux débutantes, voilà, parce que moi quand j'ai eu mon enfant, après j'avais plus faire un abdo, j'avais plus d'abdominaux, j'avais plus rien. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a redessiné mon corps, qui m'a refait apparaître mes abdos, et d'un coup franchement je suis très très contente d'avoir découvert ce programme là. Et du coup il y a même une suite, il y a le 2, il y a plein d'autres programmes, enfin voilà, ils ont développé le truc, moi j'ai pas suivi, j'ai pas continué, mais je sais que je continuerai peut-être, mais en tout cas grâce à eux maintenant j'arrive à aller courir, et maintenant c'est ma drogue à moi, maintenant mon sport, je cours très régulièrement, j'ai déjà fait les 10 km de ma vie, les 10 km de Tours, et l'année prochaine l'objectif c'est les 20 km, je vous détaille tout ça dans ma Healthy Routine, donc je vous mets le lien ici. Faut pas hésiter à aller voir cette vidéo, je vous explique un peu tous mes programmes de sport, ce que j'aime faire, et je vous le détaillerai évidemment. Vous m'avez dit que j'avais pas parlé de tout ce qui était bras, machin, j'ai pas assez détaillé le haut du corps peut-être, et ça je peux vous le faire si vous voulez. Je peux vous montrer mes petits exercices que j'aime bien faire pour tout ce qui est remonter les seins, avoir des bras pas trop ballons, enfin les trucs, les complexes que toutes les filles on a, vous voyez, avoir des fesses un peu remontées, avoir une taille un peu dessinée, avoir des abdos légèrement dessinés, avoir des bras pas ballants, je pense qu'on a toutes les mêmes complexes, voilà, et bah moi je suis pareil que vous. C'est pas parce que je suis dans votre écran d'ordi que je suis différente, bien au contraire, j'ai exactement les mêmes complexes et les mêmes problèmes, donc voilà, c'est pour ça. Donc je vous partage mes complexes par la même occasion, et voilà, donc je vous ai montré mes fesses en photo, mais au moins ça vous explique un peu ce que j'ai vécu avec ce programme là. C'est à la fois difficile, mais franchement largement réalisable, et puis surtout faut pas hésiter à faire des photos toutes les semaines, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, j'ai vraiment vu la différence sur mon corps, et c'est hyper motivant.
motivant de voir les résultats sur son corps, on a envie de continuer. J'avais quand même une petite question, je voulais savoir est-ce que si vous vouliez que cette année, je continue tous les mois à faire des favoris, c'est quelque chose que j'ai un peu lâché, j'ai remarqué, et je sais pas si ça vous porte préjudice ou pas, si vous avez envie que je continue tous les mois à vous faire des favoris. Deuxième question, enfin deuxième question qui n'en est pas vraiment une, je me suis rendu compte que l'année dernière, je ne vous ai pas fait une seule night routine et morning routine. Honte à moi, voilà, c'est en faisant un peu le bilan, je me suis rendu compte de ça, donc bien sûr ça arrive très vite sur ma chaîne, hein. Ça va être la prochaine vidéo, la morning routine, puis la night routine arrivera après, mais je suis vraiment désolée, et je vais essayer de vous faire bien sûr des Get Ready With Me qui arrivent, parce que j'ai fait une commande sur le site Shein, et du coup première pour moi, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le site Shein, vous faire une tenue, un Get Ready With Me, tout ça avec maquillage, et je vais vous parler aussi de la nouveauté de Kat Von D's qui arrive chez Sephora le 21 janvier sur leur site et le 28 janvier dans les boutiques. Donc je vais vous parler de Kat Von D's, de Shein, du produit Natural Mojo que je vais essayer aussi, parce que moi je suis une fan de Natural Mojo, voilà, mais je suis pas payée pour ça donc je m'en fous, moi je vous le dis. C'est comme vous voulez, mais sur moi je trouve que ça marche hyper bien, donc j'aurais tant de me priver. Morning routine arrive, tout ce qui est Get Ready With Me, et est-ce que vous voulez des favoris aussi plus régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, dites-moi, tout simplement. Moi, je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse soirée, un très très bon week-end, et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!